roseille. C'est comme ça que tu me réveilles, que tu fais briller le soleil. Je t'ai envoyé le texte de Joy en espérant que tu fasses quelque chose un peu comme ce que tu faisais voilà, pour Clo-Clo. Et je me suis dit, c'est impossible, là. je peux pas l'avoir. Et genre, ça a été très vite, hein, tu me l'as envoyé genre 2-3 jours après, et c'était ça, quoi. C'était exactement ce que j'attendais. Ça, c'est génial, quoi. Comme si j'avais poussé sur le bon bouton, quoi. Ben, en réalité, c'est la musique que j'ai fait la plus vite de tout l'album. Le texte, il y avait une évidence, quelque chose d'extrêmement naturel et qui a une forme d'entrain. Enfin, quand je l'ai lu, il y avait une rythmique dans le texte déjà. Il y a pas mal de choses à dire. Ça a déjà créé un rythme rapide. Joy, c'était le point d'appui. Joy, et puis après, on racontait un petit peu son personnage. Et puis le refrain, Johnny. Enfin, je veux dire, ça a été extrêmement facile. Je sais pas, c'est venu sans que je me pose la moindre question. Et quand je te l'ai fait écouter, j'étais presque un peu gêné. Est-ce que ça va être bien compris par rapport au reste de l'album, quoi. Voilà, c'est un peu la question. J'ai eu plus de mal, moi, à la finaliser, parce que justement, comment gérer l'efficacité et en même temps sans qu'il y ait trop d'esbrouf. C'est qu'il fallait lui mettre une belle robe, mais il fallait pas, qu'elle soit trop courte quand même. Ton printemps, je vais devoir m'y faire. Joy, je me croyais.